C'est quoi ce gros bus là qui se cache là? Bah ça c'est le plus beau. Bah c'est le mien. C'est notre bus de vacances. On n'a pas créé Cariage au hasard, hein, tu sais, c'est qu'on aime ça quand même. On vient présenter Cariage, alors je te montre mon véhicule perso, c'est ça le truc. Ça va bien. Salut à toi internaute passionné de voyage et de liberté. Il y a quelques semaines, je vous ai fait découvrir un aménageur passionné. Cariage. Enfin non. Forest by Cariage. Lors de la petite visite, vous aviez rapidement aperçu le Wonder Lodge, le camping-car américain de Loïc. Je vous avais promis une vidéo de la visite. Et ben voilà. C'est un vieux Wonder Lodge, ça doit être un des seuls en Europe. 11 mètres de long, il est de 85. C'est un D3 diesel en deux temps dedans. C'est un peu dément, tu vois, le bruit que ça fait et tout. Et je l'ai rénové quand même en partie, il était un peu fatigué. Ce qui m'a plu dans ce véhicule-là, c'est que c'est construit par un constructeur d'autocars aux États-Unis qui s'appelle Bluebird. C'est le quatrième plus gros constructeur de school bus aux US. Ça existe encore. Et dans les années 60, ils ont décidé de faire une marque de camping-car haut de gamme. Comme si chez nous, tu vois, Setra ou Vanhoel décidaient du jour au lendemain de fabriquer des camping-cars. Bah nous, ça nous parle vu qu'on est dans l'autocar. À fond. Ah oui, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, le lien vient de s'afficher ici, où il est dans le descriptif. Mais bon, si tu regardes pas la vidéo, je vais quand même te dire. Cariage, à l'origine, c'est une entreprise spécialisée dans l'aménagement d'autocars. Pour les particuliers, pour les collectivités, c'est aussi une des seules entreprises en Europe à concevoir des bus tours. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les bus tours, ce sont des autocars spécialement aménagés pour les tournées d'artistes. Et ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Parce qu'il y a tellement de choses à vous montrer. Tout ça pour vous dire que lorsque Loïc vous parle d'autocars, de bus, de camions, de trucs imposants qui roulent sur les routes, eh ben, il sait de quoi il parle. Il est tellement cool. J'ai tellement envie de me barrer en vacances avec. Ça fait combien de temps que tu l'as? Un an. On le découvre encore, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dedans. Les Américains, ils ont un truc qui est génial, c'est qu'ils sont passionnés de leurs véhicules. C'est dingue, il y a des groupes de fanatiques par marque de véhicules. Où du coup, tu as toute la ressource, tu poses des questions sur n'importe quel truc. Tu as 40 personnes qui te répondent et qui veulent absolument t'aider. C'est top. Ça, c'est encore le tissu d'origine, il est en super état. Il se transforme en lit. C'est assez facile, c'est un tiroir, tu tires. C'est un écran qui est motorisé ici, tu vois, il est là-dedans. Avec tout un système de home cinéma et tout, mais je voulais le cacher. L'idée, c'était vraiment de le garder dans son look, quoi. Tu vois, je voulais pas mettre un gros écran, mieux, ça faisait pas beau, quoi. Après, t'as cette dinette-là qui se transforme en lit aussi. La table, ils ont fait des trucs assez cool, regarde. Quand tu la décroches, tu vois, elle est reliée à une petite armature qui te permet de la monter, de la descendre sans marcher dans le véhicule avec la table. C'est cool, tu vois, la cuisine, regarde, elle est assez moderne, en fait, visuellement. Bon, le plan de travail est énorme. C'est ce qui m'a plu, en fait, dans ce véhicule. T'as pas de poignée, tout est assez lisse. Les ouvertures, c'est par en dessous, c'est assez discret. Alors, attends, il paraît qu'on a de la chance d'avoir ce truc-là. Ça. C'est une planche? Non, c'est l'image. Apparemment, on a beaucoup de chance d'avoir cette image. Ouais, parce qu'en fait, je sais pas, c'était vendu avec et la plupart des gens, ils l'avaient viré, tu vois. Alors, vu que c'est Bluebird, le constructeur, est-ce que ils ont voulu faire un clin d'œil, je sais pas, mais c'est un peu bon. Bon, nous, on le garde, du coup, vu qu'on a de la chance, apparemment. C'est un truc, c'est pour la gazinière, tu vois, mais la gazinière, c'est le fou de truc américain, le truc, c'est... Même le four, etc., tout fonctionne, hein. Ça marche au GPL, t'as 150 litres de GPL dedans. T'as une machine à glaçons qui fonctionne, en plus, hein. Enfin, elle fait des glaçons avec l'eau de la cuve. Tu sais, c'est comme quand tu vas en Inde. T'as sucé un glaçon, tu te dis, c'est bon, tu sais, et puis en fait, après... Tu te vides pendant 3 semaines, quoi, tu vois. Donc, nous, on n'est pas super fan de glaçons. Et des glaçons qui viennent avec l'eau de la cuve, bon, c'est pas... D'origine, il y a un peu plus de 300 litres, ouais. T'as vu, t'as un blender intégré au plan de travail. Dans les années 80, ils avaient beaucoup de blenders comme ça dans les plans de travail. Même les Airstream, etc., ils ont ça... Tu t'es pas dit un jour, je vais acheter un Airstream? Si, on en a eu un, évidemment, un 310, un diesel, il y avait 60 unités dans le monde en diesel. Plus jamais j'en achèterai un de ma vie. Et pourquoi? C'est des châssis de P30. C'est un tracteur, le truc. Ça braque pas, en fait. Tu vois. Même un rond-point, t'es en PLS dedans. Pour le coup, le diesel, il faisait un bruit, c'était horrible. Si, le look, il est génial. Tu rentres dans un camping avec ça, t'as 250 personnes dans le camping, t'as 250 personnes qui viennent le voir et le prendre en photo. C'est incroyable. Le capital sympathie d'un Airstream, c'est fou. Par contre, le problème, c'est que si tu veux qu'il ait un peu de gueule, faut le polir. Et quand t'es maniaque comme moi, pendant un mois et demi dans ton garage, que toi t'es noir, hein, tu sais, de Mary Poppins, tu te souviens, t'es les mecs là dans les cheminées, là, c'est pareil, tu sais. Tu le sors, du coup tu pars en vacances, t'es fier, hein. Il pleut une fois, et déjà ça y est, c'est,
c'est la merde. Ça s'oxyde tout le temps. En fait, je passais plus ma vie à le faire briller, au lieu de profiter de mes vacances. Alors, il y a des trucs un peu kitsch quand même. Ils ont réussi à nous coller des espèces de petites moulures, là. C'est... Chez les Américains, le haut de gamme, ça commence à 800 000, tu sais, 1 million de dollars. Les productions qui sont dans ces prix-là, vu qu'il y a un peu plus de sur-mesure, tu vois, il y a des choses assez sobres, ça existe. Par contre, c'est vrai que quand t'es à 300-400 000 dollars, c'est hyper chargé, quoi. Les moulures, les machins, les fausses cheminées, enfin, mes grand-mères, elles sont mortes, mais tu sais, c'est... Je pense que même elle dirait, mais c'est pour les vieux, quoi. Enfin, c'est incroyable. Alors là, regarde, il y a quand même des trucs assez cool, quand même, pour l'âge du véhicule. T'as des rangements comme ça. Les intérieurs, c'est pas très soigné, t'étais en contreplaqué. Les charnières, bon, elles ont un peu rouillé, évidemment. Ils avaient fait quand même des rangements qui étaient assez efficaces. On a refait le sol aussi, parce qu'évidemment, il y avait une grosse partie en moquette. Et là, pour le coup, c'était un peu les gros travaux, parce qu'il avait pris un peu l'humidité, évidemment. C'est massif hein, comme véhicule, c'est entièrement de la ferraille, il fait 15 tonnes à vide. Bon, en montée, tu le sens un peu, il fait presque 400 chevaux, mais tu le sens quand même, hein. C'est lourd. C'est tout en ferraille galva riveté. Tout est blindax, quoi, de partout, c'est costaud, quoi. Un gars qui l'avait ramené des US, il a voyagé avec, puis il l'a ramené. Moi, quand je cherche des véhicules, j'essaie de les acheter en France déjà, parce que je suis un peu comme un enfant, tu vois, c'est un peu compliqué d'attendre. Donc, je cherche, puis dès que j'en trouve un, après, j'espère de pouvoir l'acheter. Moi, quand je m'intéresse à un véhicule, c'est vraiment. Ça me passionne. Là, j'ai bossé beaucoup dessus, tu vois, je connais quasiment tout par cœur, au niveau du moteur, du châssis, etc. L'intérieur, là, ça y est, j'ai fait le tour, je sais comment tout marche. C'est à la fois génial et un peu angoissant. Quand tu roules avec, au-delà du gabarit, mais ça, c'est gérable, tu files pas ce soi-même dans la merde. Mais après, par contre, le moindre bruit, le moindre truc, enfin, faut s'arrêter en fait. T'sais, moi, souvent, je m'arrête. Hein. Dès que j'ai un petit doute, je m'arrête, je vais jeter un œil en dessous, machin, s'il n'y a pas quelque chose qui est en train de partir en sucette. Tu tombes en panne sur la route avec ça? Honnêtement, les garages, qui va te le réparer? Il n'y a rien là-dessus que je pourrais pas faire normalement. C'est pour ça aussi que je peux acheter ça. Faut être conscient, c'est sûr. Tous ceux qui ont des gros véhicules de collection, des voitures, des motos, etc., ils connaissent le sujet, quoi. C'est le même genre. Tu vas rouler avec une heure, tu le remets au garage, puis tu regardes tout, quoi. Moi, c'est ce qui me plaît, c'est comment ils ont conceptualisé la chose. Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils l'ont fabriqué? Sur ce véhicule-là, par exemple, il y a un truc qui est dément, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie. Non, mais il n'y a rien de chez rien. T'as les batteries de démarrage, et basta. Et en fait, sur la notice, ils te disent que t'as une nuit d'autonomie en faisant attention. Quand tu regardes le nombre d'heures du moteur et le nombre d'heures du groupe électrogène, le groupe électrogène, il a 5 fois plus d'heures que le moteur. Donc c'est vraiment un véhicule qui tourne qu'au groupe, quoi, presque, tu vois, à l'origine. Moi je l'ai modifié pour que ce soit mieux, mais c'est une autre philosophie du véhicule, du voyage, c'est pas pareil. Peut-être que tu viennes derrière, parce que tout se passe de ce côté après. Ouais. Là, c'est pas mal, parce que tu vois que tu peux fermer la chambre ici. Ben là, tu vas te voir. T'es prêt? Vas-y, vas-y, hop, tu vois, tic. Donc, t'as un petit miroir là. Ah, il y a beaucoup de miroirs. Hein. Les rangements ici accessibles quand t'es dans la chambre. Et après, surtout, t'as des armoires de rangement là, mais regarde le truc. C'est grand comme un transporteur, tu vois, à peu près. Hey, c'est un garage pour mon van. C'est des convertisseurs 220-110. Ah, il fait 5000 watts, tu vois. Il faut que je fasse un petit cage. Donc là, t'as la salle de bain. Bon, elle est vraiment restée dans son jus. Bon, c'est un peu plastique lampe, mais c'est pas mal quand même. Ça a bien vieilli, tu vois, c'est pas craqué ni rien. Le WC, c'est un WC inertie. C'est une trappe qui s'ouvre et ça tombe dans une grosse cuve en dessous qui doit faire 200 ou 300 litres. Y a pas de broyeur, y a rien. T'as pas de cassette. Mais comment tu fais pour vider tout ça? Ben là, faut trouver le bon endroit là. Ouais. T'as vite fait de sinistrer une aire de camping-car en un coup là. Vu qu'en France, pour s'approcher des endroits pour vider, c'est pas si simple. T'as intérêt d'avoir les tuyaux et tout ce qu'il faut. Hein. Y a un truc qui est génial. Tu peux téléphoner au conducteur pendant que tu fais caca. C'est sympa quand même. L'avantage, moi, je pense, de ce système, c'est surtout en cas de constipation. Le conducteur, tu peux lui dire de privilégier un peu les vibreurs sur l'autoroute. Tu vois, ça aide. Ça peut aider, je pense. On n'a pas testé encore, mais... Si t'as jamais vu un tableau de bord d'avion... Et tout marche. T'as 6 boutons pour les essuie-glaces, tu vois, par exemple. Okay. Tu peux les faire fonctionner indépendamment l'un de l'autre. Ouais, t'as une CB, mec. Ouais, ce véhicule-là, il est ultra haut de gamme. Il y a des options lunaires. La CB, bon, t'as une CB, ça, c'est basique, hein. Mais t'as une CB que tu peux envoyer sur les enceintes du véhicule. Ça, c'est juste pour gérer la CB, en gros. Et après, t'as un autre système, c'est un digitel. Il marche pas sur celui-ci, il faudrait que j'arrive à le faire marcher, parce que ça me ferait quand même kiffer d'entendre ça. C'est que, genre, t'as pas arrangé le marche-pied, la porte ouverte, ou un truc qui est pas fait. T'as une voix, tu vois, en anglais, qui te le dit dans les haut-parleurs, tu sais, genre, t'as oublié. Le marche-pied, tu vois, je parle super bien anglais. C'était sous-titré, j'espère. En 85, t'avais une caméra de recul.
donc en noir et blanc, tu vois, c'est un peu genre, t'as un peu l'impression de regarder un épisode de Ma sorcière bien aimée, tu vois. Mais... Il y a un altimètre. Un altimètre. Alors, si avec tout ça, tu chatouilles pas les algorithmes, tu mets pas un petit like, un petit commentaire, un abonnement à la chaîne, l'activation de la petite cloche. Il y a un truc qui est génial et que je veux absolument faire marcher, c'est ça, là, la corne, là, The Horn. Un petit sélecteur à côté, là, tu sais, tu mets des petits chiffres ici, tu valides sur Play. Et en fait, au-dessus, tu as deux énormes haut-parleurs qui balancent de la musique, genre 8 bits, quoi, tu vois. Tu as un petit carnet avec les 40 chansons qui sont dedans. Tu as quand même, tu sais, la chanson de Rocky et tout dedans. Tu arrives dans un camping avec un machin de 20 tonnes et tu as de la musique en mode Charlie Oleg. Alors aux États-Unis, quand ils font des rallyes de Wonder Lodge, quand ils se réunissent et quand ils arrivent, ils mettent tous la musique à danse, tu vois, et quand ils partent, ils font pareil. Même aux États-Unis, ils ont un peu honte de l'utiliser, il paraît. Mais alors moi, moi j'assumerais totalement ce truc-là, je pense. La prochaine chose que je fais sur ce véhicule, c'est ça, faut que ça marche. Et c'est quoi tout ça? Bah ça, c'est juste le groupe électrogène. C'est un Perkins dedans, c'est un moteur de tracteur, quoi, qui fait un bruit de moteur de tracteur, d'ailleurs, en diesel. Et du coup, t'as les heures de fonctionnement, le voltage... T'avais deux lignes à l'intérieur, parce que ça consomme tellement d'énergie, le véhicule à l'arrêt, là, qu'en fait, t'as deux lignes de puissance qui sortent du groupe, c'est incroyable. On est d'accord que les Américains, ils voient tout en grand, même presque trop grand, non? Non, pas trop, non, moi, je trouve pas, par contre, là, pour le coup, mais... Non, non, c'est bien, moi, je trouve que c'est la bonne taille, quand même. Bah, ça dépend comment tu l'utilises, moi, j'adore aussi bouger en van, en fourgon, en fait, j'aime tout. Mais ça, c'est un autre délire, c'est sûr, quand tu te déplaces avec, surtout nous, en Europe, t'as intérêt de regarder un peu la carte, hein, avant de t'engager. Après, bon, moi, je sais conduire des autocars de 14 mètres avec des remorques au cul, etc., donc je suis pas trop inquiet sur la route. Combien de litres 100? Je sais pas, il y a une cuve de 1200 litres dedans. Je pense que c'est autour des 40 litres. Ouais. Au bruit, je dirais 60 même. Le deux temps, c'est un truc de fou. Deux temps? Ah ouais, c'est deux temps turbo-diesel. Alors attends. Merde, c'est cool, hein? C'est un V6. Là, il tourne à 500 tours, là. C'est des batteries de 6 volts en série, tu vois, c'est rigolo. Et sur le toit, tu vois, t'as une galerie d'origine, t'as 11 mètres, il y a une tôle en alu armée dessus, tu peux marcher et tout, tu vois, c'est vraiment fait pour. Il fait moins de 2,50 m de large, c'est pas mal, il se faufile bien, tu vois, enfin il se faufile bien. Si, ça va. C'est un triple essieu, mais l'essieu arrière, le troisième, tu peux le dégonfler, tu sais, pour un peu mieux manœuvrer. Parce qu'il est pas directionnel, tu sais, pour éviter qu'il rippe, quoi. Tu vois, nous, on a des cars tout neufs, tu vois, celui d'à côté, c'est un car neuf. Franchement, c'est aussi cool à conduire l'un que l'autre. C'est hyper moderne, la conduite, très très souple, c'est dingue. Et le deux temps, c'est un peu rigolo, quoi. C'est un peu déroutant au début, tu vois, la façon dont il accélère et tout. Mais dès que t'as compris comment ça fonctionnait, c'est énorme. Il passe la cinquième à 90. Et après, quand t'appuies, tu te dis, mais là, ça faut arrêter d'appuyer, ça fait flipper tellement que ça accélère, quoi. Ça marche, hein. Il y a un truc qui est trop drôle, c'est que t'as le grand store et en dessous il y a des petits stores. C'est les poupées russes du store, le truc. Tu sors ton grand store, mais quand même en dessous tu peux mettre tes petits stores. On sait jamais. Et t'as des. Ça c'est assez pratique. T'as des feux d'accostage quand tu veux te garer dans une zone que tu vois que dalle. T'allumes les feux là, il y en a deux de chaque côté, t'éclaires toute la zone. Et après sur le toit, il y a un spot qui est télécommandé. T'as un petit joystick dedans et t'as deux gros spots comme ça que tu peux régler pour éclairer les fossés, les trucs. Ah, il y a un barbecue là-dedans. Ouais. Que tu sors d'ici et après tu le relis directement au GPL de la bouteille. Là. On l'a découvert la veille de partir en vacances. D'origine, il y a une sonnette. Et ça fait partie des trucs que je dois réparer. C'est pas juste ding-dong, tu vois, tu mets du Barry White, quoi, tu vois. Ouais, c'est génial. Pour des raisons techniques et de temps, on n'a malheureusement pas eu le temps de faire un petit tour avec le Wonder Lodge. Mais avec Loïc, on a prévu de se revoir très vite. Parce que à peine un véhicule est terminé, qu'il y en a déjà un autre en préparation. C'est quoi celui-là, quoi? Ah, ça c'est mon petit chouchou. Il est des années 60, c'est un Starliner, c'était un modèle de grand tourisme à l'époque. Et il avait été importé en France pour le lancement de la PlayStation 1. C'est le seul qui est en Europe. C'est des véhicules, même aux États-Unis, ils sont assez durs à trouver. Là, on va le rénover entièrement, carrosserie, etc. Bon, il y a un boulot, c'est énorme. Hein. Encore une belle vidéo en perspective. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de chatouiller les algorithmes, un petit like, un petit commentaire si vous ne l'avez pas encore fait et que vous voulez soutenir la chaîne. Un petit abonnement et activer la petite cloche pour être au courant de tout ce qui se passe sur Voyage Voyage. Allez, à plus, salut, ciao! Tu te dis pas à un moment donné, quand t'achètes ça et que tu commences à regarder et tout, tu te dis « Oh putain, j'ai fait une connerie ».
Eh ben, non. J'ai fait une connerie de ne pas l'acheter avant, surtout.